Hello les gens, c'est Lozologue, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode donc du Skyblock. On se retrouve donc pour le septième épisode. Voilà, ça commence à faire beaucoup d'épisodes, hein. On commence à avoir notre petit niveau dans le game du Skyblock, on va dire ça comme ça. Mais c'est loin d'être fini, on va se hausser encore plus haut. On n'a pas fini de rêver, on va aller bien plus haut que tout cela. On va gravir des échelons pour arriver tout en haut, je l'espère du moins. Ça pourrait être bien. Et du coup aujourd'hui, bah écoutez, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. On va essayer d'accomplir quelques challenges, peut-être ça peut être sympathique. Voilà, là ça nous crée une petite ambiance, le noir là comme ça. La nuit qui tombe, ça nous fait un petit peu quand on raconte une histoire autour du feu de camp dans une forêt. Voilà, c'est très très rassurant. Bref, du coup je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage les amis. Yo les gens, on se retrouve donc sur la game, voilà. Alors il y a quelque chose que je vais faire en premier. Tout simplement parce que il faut savoir que j'ai beaucoup farmé, hein, comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup de ressources et tout. Il y a quelque chose que je vais m'apprêter à faire, alors que c'est pas très très cool parce qu'on a mis beaucoup de temps à la build. Mais je vais aller supprimer tout ce bordel parce que disons que j'ai réussi à collecter assez de ressources, donc j'en ai plus besoin. Et comment dire, comme vous pouvez le voir, ça lagouille un peu beaucoup quand je regarde tout ça. En plus, ça prend beaucoup de place et c'est pas très très beau. Du coup, je vais vous faire une grosse ellipse. Je vais couper tout ce truc. Ça va me prendre un temps monstre, mais au moins ce sera fait. Et puis on pourra se lancer sur d'autres projets parce que j'ai pour projet de faire une autre usine, donc avec un autre type de mob. Je vous en reparle une fois que l'ellipse est terminée. Et puis bah du coup moi je vais aller descendre cette petite chose qui n'aura pas vécu longtemps. Enfin pour moi elle aura vécu longtemps, mais pour vous vous l'aurez pas vu longtemps. Mais bon, elle aura été pratique. Voilà, on tue encore quelques mobs pour clôturer tout cela. Et je vais donc aller descendre cette moche tour du coup, parce qu'elle est pas vraiment très très belle. Et du coup, on lui dit au revoir la petite tour. Voilà, à tout de suite. Et re les gens, on se retrouve donc, eh bien, après tout, après ce petit interlude pour vous, mais ce grand interlude pour moi, puisque, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien, plus de tour à mob. J'ai même eu le temps de ranger les coffres, donc tout le stuff des mobs, je l'ai transféré. Voilà, et on va enfin pouvoir partir un petit peu sur de nouveaux horizons pour vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai pu comment dire acquérir depuis, parce que j'ai acquis beaucoup de choses, hein. Je ramasse même plus les melons, j'en ai tellement comme vous pouvez le voir et comme vous allez le voir encore, et j'en ai vendu déjà pas mal au spawn pourtant. Tiens d'ailleurs je vais croquer un petit bout, toc. On va se nourrir exclusivement de carottes. Ça me paraît être un bon régime de Minecraft. Et bref, du coup, comme vous pouvez le voir, dans mon coffre agriculture, j'ai beaucoup farmé, j'ai vraiment trop de graines de blé. Ça, je sais pas trop comment je vais faire pour m'en séparer. J'ai pas mal de canne à sucre aussi, ça c'est bien. Donc du melon, j'en ai beaucoup. D'ailleurs, je vais transférer celui que j'ai en bloc. Comme ça, c'est fait. Mais ce qui vous attend, vous n'êtes vraiment pas prêt parce que après, je vais vous montrer quelque chose de plutôt, comment dire, impressionnant. Voilà. Vous pouvez voir que j'ai reçu beaucoup de blocs de fer, donc c'est dû vraiment aux dons. Donc merci à vous les gars, je saurais même pas citer les pseudos, il y en a tellement. Mais bref, merci énormément à vous parce que là il y a 9 stacks de blocs de fer, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Donc vraiment merci, donc je pense qu'on va s'en servir pour faire des usines ou je ne sais quoi, ou faire un sol, ou agrandir le même avec ça, parce que ça rapporte pas mal de niveau je pense pour les IS. Du coup ça c'est bien. Avec le slash C, j'ai pas mal fait les challenges, donc je sais pas si j'en ai déjà fait avec vous, mais en tout cas j'ai déjà fait le challenge donc la tour à mob, ça je l'ai peut-être fait déjà avec vous, donc ça m'a donné pas mal de trucs, le challenge farmer, le challenge tricketer, le challenge cookie maker, et je vous ai attendu donc pour le challenge avec craftsman où il faut avoir le niveau 75 parce que ça, je me suis dit quand même c'est quelque chose d'un peu plus important, donc je vais vous attendre. Je vous ai attendu pour le homestead, donc où il faut se mettre à côté de certains blocs, donc qui sont une porte en bois, un lit, une bookshelf, donc c'est une bibliothèque, une table de craft, un four, un bloc de vitre et une torche. Donc ça, on fera ça un petit peu peut-être après. Aussi un challenge où il faut attraper et faire cuire des poissons normaux. D'ailleurs, c'est très important. Donc ça, on pourra le faire après. J'ai reçu aussi beaucoup de money, comme vous allez pouvoir voir dans le slash money, puisque je suis à 16 000, donc c'est juste énorme. Donc c'est grâce aux farms et grâce aux dons, j'ai gagné pas mal de ça. Donc ça va me permettre que tout simplement dans le slash PS get,
Vous pouvez voir qu'on peut avoir un spawner à Iron Golem pour 15 000. Donc on va faire une petite usine à Iron Golem avec ça, qui va nous rapporter donc du fer, ce qui va nous permettre tout simplement d'aller vendre ce fer au spawn, parce que le fer doit se vendre 1 à l'unité. Donc si on arrive à faire une bonne usine automatique, il y a moyen que ça rapporte quand même pas mal de fer. Donc il y a moyen, je pense, de se faire bien 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 de la monnaie, donc d'augmenter le nombre de spawners et donc de se mettre bien. Et puis dernière chose à vous montrer, c'est peut-être même la plus grosse chose à vous montrer, juste avant pour faire un petit peu monter le suspense, on va dire ça comme ça. Je vais ranger ça dans mes coffres. Bref, c'est dans ce coffre qui s'appelle Event, voilà, juste derrière la belle torche. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre Event? Il y a tout simplement ce qu'il s'est passé lors d'un gros event un dimanche. J'étais là, j'ai eu la chance d'être là, et il y a eu vraiment juste un gif de fou. J'ai également réussi à stocker mes clés, enfin réussi, c'est pas non plus une épreuve de fou, hein. C'est pas un truc bienvenue dans Koh-Lanta ou je ne sais quoi, vous avez gagné l'épreuve, mais comment dire, j'ai quand même pris la peine de vous garder beaucoup de clés, histoire qu'on puisse faire un gros opening, puisque vous allez voir, j'ai 11 clés et énormément de blocs. Alors il y a du tout, il y a deux stacks de terre, il y a deux stacks de sable, je sais même plus ce qu'il y a, il y a deux stacks de... Il y a un demi-stack de silanterne, il y a de la netherwart, il y a beaucoup de cobble, il y a de tout, il y a... Enfin c'est bien. On a une pioche en diams, donc je vous ai attendu pour la prendre, j'ai été gentil. Je me suis fait une hache en diams aussi en chant, parce que j'avais beaucoup de diams, donc je me suis dit ça... J'allais quand même le faire, la pioche en fer, ouais, je la balance. Bref, nous allons donc ouvrir nos chères clés magiques au slash spawn, voilà. Donc on va se grouiller d'aller là-bas pour ouvrir tout ça. Donc je pense que je vais juste couper pendant que ça fait le roll, entre guillemets, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire pendant que, bah, tout simplement, ça va tourner dans la machine, puisque c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. D'ailleurs, je vais me mettre juste en vanish, voilà. Bref, êtes-vous prêts? Bah, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Donc on en ouvre un premier, voilà. Donc je pense que c'est là-dessus que je vais peut-être un petit peu faire des coupures. J'ai d'ailleurs baissé un petit peu mon son après celui-là. Alors qu'est-ce qu'on a eu sans Yazakoy? Bon, c'est pas dégueu. J'ai juste baissé un petit peu mes sons, voilà. Donc du coup, ouais, je vais juste accélérer. Ok les gens, cette fois-ci on a trouvé deux blocs de fer. Bon, c'est pas dégueu. On passe à la prochaine. Cette fois-ci, les gens, c'est très très bien, puisqu'on vient de trouver 16 blocs de grâce, c'est-à-dire de terre avec de l'herbe, donc c'est génial ça par contre. On continue. Ok, on vient d'avoir un petit bloc de diamant, ça fait toujours plaisir, ça peut se placer sur l'île, je ne sais où, mais ça va pouvoir quand même permettre d'augmenter, je pense, le IS level, donc c'est pas dégueu. On continue. Bon, cette fois-ci, on a eu le fee d'avis. Alors, personnellement, avec mon grade partenaire, je l'ai déjà. C'est-à-dire donc que si je fais slash feed, ça me... Bah, tout simplement, ça me régène la bouffe. Alors, je sais pas si on va l'utiliser. Moi, je suis plus friand un petit peu juste de l'utilisation tranquille de la nourriture. Si vraiment on est dans un besoin crucial, peut-être j'hésiterai pas à l'utiliser. Maintenant, en plus, on l'a eu grâce à ça, donc... Autant se dire que ouais, ça peut être sympa à utiliser. Mais bref, du coup, ouais, c'est à voir. Pour l'instant, je pense quand même utiliser, du moins en vidéo encore, je trouve ça quand même plus sympathique, un peu plus, comment dire, humanisé, d'utiliser un peu la nourriture normale plutôt qu'une simple commande. Donc on verra un petit peu ce qu'on pourra faire de tout ça. Et continuons notre roulette. Ok, on a encore eu deux blocs de fer, donc ça nous en fait quatre, c'est pas dégueu. On continue. Ok, cette fois-ci on a eu 8 blocs de neige. Alors je sais pas vraiment si c'est très très bien. On va regarder le pourcentage de chance. Il y a 4%. Je sais pas vraiment si c'est bien la neige. Bon, en tout cas on va la garder. Je sais pas vraiment si ça va me servir énormément. Mais écoutez, je garde. Ça peut-être servir. Ça se trouve c'est super rare ce qu'on vient de trouver. Mais bref, je la garde. Je la mettrai dans un coffre bien profond. Et puis voilà. Et donc on continue. Ok, donc on a encore eu 100 Yaza Coins, voilà, bon, ça fait toujours des coins en plus, on doit être à, voilà, 16 600, c'est sympa. J'ai oublié de vous dire, on continue, mais bref, cette fois-ci, on a eu quelque chose d'absolument génial, on a eu une pousse de chaîne, c'est vraiment quelque chose de ouf, je sais pas combien de pourcentage il y avait de chance, il y avait 2% de chance, on est quand même vachement chanceux, je vais aller loin avec une pousse de chaîne en plus, ça c'est certain. Merci Yaza Craft, bref, on continue.
Encore 8 blocs de neige. Alors bon, écoutez, maintenant ça nous en fait 16. Je sais pas vraiment si ça sert encore une fois, mais bon, écoutez, on les a. Donc pourquoi pas les utiliser pour faire une sorte de décor de neige un petit peu si une fois on a envie. C'est à voir. Et bref, on continue avec la dernière petite clé magique. Attention, cette fois-ci même, je vais pas faire d'ellipse. On va voir tout de suite ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on pourrait avoir un petit truc bien ? Est-ce que honnêtement, on pourrait pas avoir un petit truc sympa ? Franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Je me plains pas. 16 blocs d'herbe, on est tranquille. Du coup, go slash slash yes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ouais, ça, c'est quelque chose de très très bien aussi. Puisque apparemment, on m'avait dit que j'avais le slash kit, on me l'a bien répété en commentaire, ça je peux vous le dire. Donc du coup, j'ai le slash kit novice déjà, et apparemment du coup avec mon grade, normalement j'ai le héros et le légende. Ça reste à voir, mais normalement je les ai. Donc déjà on va prendre le kit slash novice, voilà, enfin slash kit novice. Donc c'est déjà sympa, l'armure honnêtement ça va, on va s'en passer, les outils aussi. Mais ça nous rajoute un petit peu de... ouais, ça nous rajoute un petit peu de dirt et tout, donc c'est sympa. On va ensuite prendre le kit héros. Hop, attention, qu'est-ce que ça nous donne? Je sais pas du tout ce que ça donne, on va voir. Attention, je vais monter la pression un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore de la dirt, c'est très très bien. On a une pioche en diamant, ouais. Ah bah oui, on l'avait déjà gagné une fois, c'est vrai, avec le truc. Ouais, bon, cette fois-ci, du coup, je vais garder les items. Je pense que... ça m'a suffi de les jeter une fois pour comprendre qu'en fait j'en avais bien besoin. Mais bref, du coup on va se garder tout ça. Je pense que c'est des kits journaliques, donc ça peut être intéressant à jouer. Et qu'est-ce qu'on a en dernier? On a le kit légende. Alors je sais pas vraiment si c'est OP ou quoi, parce que celui-là on l'a jamais eu. Mais ça promet, je pense. Donc attention, 3, 2, 1. Ouh, pudding, ça m'a l'air... Ah oui, c'est pas petit. Donc on se retrouve avec deux stacks de dirt. Alors ce qui va être très très bien avec ces deux stacks de dirt, c'est qu'on va pouvoir accomplir quelque chose que j'avais envie de faire. Ce serait de couper tout ça, d'enlever tout ce qui est cobblestone ici pour mettre de la dirt à ce niveau-là, seulement à ce niveau-là. En dessous, on crée des géants niveaux en blocs de fer ou en je ne sais quoi, en cobblestone, en ce qu'on veut. Et ici, du coup, je ferai tout tout simplement en grasse, en terre avec de l'herbe, du coup. Même faire un enclos genre naturel, honnêtement, pour les vaches, qui fassent genre 2 de profondeur, comme ça elles peuvent pas sortir. Et puis qui est couvert de dirt et tout, genre comme ça elles peuvent pas s'enfuir, mais en même temps, elles sont un peu libres, ce serait plus sympa. Donc je pense qu'on va se faire ça peut-être dans cet épisode là même. Donc il faudrait que... ouh. Bah tiens, on va se servir de notre slash feed. J'avais pas du tout vu que j'avais plus de nourriture. Bon, c'est tant pis. Mais bref, du coup ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement faire ça, je pense. Je vais aussi couper ça, enfin couper entre guillemets, hein. Je vais plus casser tout ce qui est cobblestone tout simplement en speedrun, on va dire ça comme ça. Parce que tout simplement je pense que ce sera un petit peu ennuyant pour vous. Dans mon projet quand même, il faudrait que je fasse un sol en dessous de ça, peut-être en stone plutôt qu'en... ouais non, je vais le faire en cobblestone et en stone, un mélange des deux. Et on va se mettre là-dessous. Ce que je compte faire aussi peut-être, c'est alors déjà trouver peut-être un milieu de l'île, on va dire que c'est à peu près là. Et ça on va peut-être le faire directement. Alors comment on va faire? Du coup, ce que je proposerais de faire, c'est que on va se mettre à un niveau en dessous. Il faudrait qu'on trouve là. Voilà, super. Hop, et on va aller, comment dire, trouver les limites de notre map pour pouvoir, comment dire, les marquer, hein, tout simplement, afin qu'on soit tranquille là-dessus. Donc là, on part pour un long voyage où on voit presque rien. Du coup, en plus, j'ai des shaders. Mais bref, on part pour un long voyage afin de tout placer. Je pense que ça risque d'être quand même un peu long parce que les îles sont assez grandes. Et ça, c'est d'ailleurs un point fort du serveur. C'est aussi pour ça que j'aime bien faire mon skyblock dessus, parce qu'il y a un grand écart entre les îles, ce qui nous permet de faire des grosses îles quand même, hein. Vous pouvez voir que là, on n'a toujours pas atteint une limite. Slash IS, voilà, ok, c'est bon, tranquille. Par contre, pourquoi j'ai pas pris les dégâts? Je n'ai pas compris. Bon, tant pis, hein, ça doit être un bug. Je sais pas, mais bref. Je vais peut-être d'ailleurs mettre mon slash IS7 home ici.
Voilà, du coup j'ai mis mon home ici. Désolé, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Mais bref, du coup comme ça, si on tombe, bah, au moins ça va plus faire ça, parce que ça m'étonnerait que ça nous fasse ce charmant bug. On va pas se mentir, c'était bien sympa, moi ça m'arrange. Mais bref, ça m'étonnerait que ça me le fasse à tous les coups. Qu'est-ce que j'ai placé? Ah, c'était du sable. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais mis de la neige, parce que si j'avais mis de la neige, ça aurait été un peu plus problématique, vu que la neige, on peut pas vraiment la récup. Enfin, je crois pas. Je pense pas. Hein. Peut-être avec une pelle ou quoi, mais ça nous donnerait des boules de neige, donc ça aurait été assez, comment dire, problématique. Donc, heureusement, ça va, c'était pas de la neige. Alors, comment on va faire pour passer ici? J'ai des gros doutes, ouais. J'ai des gros doutes. Ça va être un peu un challenge. On va essayer de passer par là. Si on passe, est-ce que ça passe? Non. Si on casse ici. Yes, nickel. Et du coup, ici, normalement, c'est bon. Hop. Ouais, on va faire ça comme ça. On va déjà placer un petit peu de grâce ici, comme ça. On a fait une de première avancée technologique incroyable. Bref, nous allons donc continuer. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah ouais, moi je suis quand même un sacré génie en fait. Hein. J'ai réussi à le mettre au mauvais niveau. Je l'ai fait beaucoup trop haut. Franchement, GG à moi. Voilà, c'est quand même ça qu'il faut le faire. Exactement. Hop, voilà. Super. Et du coup, nous allons nous rendre là-bas. Alors, j'espère que cette fois-ci, ça va pas me faire le coup. Bon, de toute façon, on a le slash IS. Donc, globalement, tout va bien. Hop, on va avancer encore. Donc, normalement, on a pas mal de cobble, je pense. En plus, il doit me rester dans le coffre event et dans le coffre de base. Donc, ça, c'est déjà bien parce que ça nous laisse quand même un bon. Comment dire? Une bonne tranquillité au niveau de ça. On va aller en chercher plus, du coup. Bah, tout simplement à notre coffre event. Donc bah, j'y cours tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, hein, comme je vous l'ai dit, les îles sont juste gigantesques. Et ça c'est très 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 bien. Donc on verra après comment on pourra aménager tout ça. Je pense que au niveau de ici. Alors je vais pas utiliser tout le temps le slash feed, hein, comme je vous l'ai dit. On va peut-être quand même pas non plus se mourir qu'à ça. Hop. Mais je pense qu'ici on fera peut-être pas forcément toute l'île avec de la dirt. On fera genre une sorte d'île flottante un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait rendre quelque chose de vachement sympa, je pense. Donc je pense plus m'orienter là-dessus. Là, je fais ça plus pour mettre une sorte de repère un peu. Parce que ça me paraît quelque chose d'essentiel. On va. Alors comment on va faire pour ici? Parce qu'il y a notre chère usine qui va quand même un peu gêner. On va passer ici, il faut qu'on trouve un moyen de mettre un niveau plus bas. Bonne question. Alors, est-ce qu'on serait juste un seau d'eau comme ça, tranquille? Hop, voilà, on passe. Discretos, désolé les lags du serve, du coup, vu que je passe là-dessus, même si le serve en soi ne lag pas trop, donc ça c'est bien, même ne lag pas du tout. Et ça, c'est vachement bien, parce que moi, il faut savoir que j'ai pas une bonne couche, je pense que je vous l'ai assez répété pour que vous ayez pu le comprendre, mais j'ai vraiment pas une bonne couche et pourtant sur ce serveur je lag vraiment pas, alors que pourtant comme je vous l'ai dit juste avant ma connexion, disons que c'est pas trop ça. Mais bref, en soi nous allons continuer ça, on va essayer d'arriver jusqu'à la fin. Et je viens de repenser à un truc, c'est que là-bas on n'a pas encore fini. Et oui, bon, on va déjà faire ici du coup, et puis après on va retourner là-bas. Wow, slash yes, hop, merci, nickel. Faut que j'y pense, hein. Ça se retient, mais c'est bon. Là on commence à l'avoir en tête. On va aller continuer ici du coup, hop. Alors attention, ça va nous faire la surprise, hop. Et on prend encore donc un petit stack et on va se faire là-bas. Donc on va se mettre à peu près, je pense ici, voilà, ça me paraît être un bon emplacement. On place un bloc en dessous, on remonte. Comment, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Slash yes, voilà. Alors qu'est-ce que j'ai bien pu faire là? Je pense que c'était pas très très malin de ma part ce que j'ai fait. Parce que du coup, j'ai placé de l'eau je ne sais où, voilà. Gros GG à moi. Hop, on vient prendre celle-ci. Hop, alors du coup, comment je suis censé faire? Oui, c'est bon, je l'ai déjà placé mon bloc. Nickel. On va juste venir
combler ici aussi. Et on va aller jusqu'à la fin. Alors il nous faudra aussi un endroit peut-être pour faire une sorte de gigantesque escalier. Pas escalier, mais genre plutôt orienté, je sais pas moi, un petit peu... Ah oui, on n'avait pas besoin d'aller loin ici par contre. On avait déjà dû bien pousser de ce côté. Ouais, c'est vrai qu'on avait fait un truc assez long. Mais bref, je veux dire, ici peut-être on fera quelque chose d'un peu plus... Comment dire, soft, mais du coup faire une sorte de grande échelle qui va nous permettre de monter et de descendre selon sur plein d'étages, genre faire une île vraiment géante. Et ici faire juste un petit côté tranquille, mais il faudra mettre quand même un passage pour le machin. Donc pourquoi pas faire une sorte de pont un peu en bois, ça pourrait être sympa, afin de pouvoir se mettre dessus et donc comment dire, builder là-dessus. Ça pourrait être plutôt envisageable. Et ça pourrait être sympa, mais bon, ça reste à voir, ça reste à voir. Donc je pense que j'ai bossé un petit peu là-dessus, moi, donc dans l'entre-épisode, on va dire ça comme ça. Et puis vous retrouvez donc la prochaine fois, vous inquiétez pas, je ferai pas encore de grande descente ou je ne sais quoi. Je ferai juste un petit peu tout ce qui est remplissage en terre d'ici. Peut-être que j'attendrai quelques jours pour avoir plus de dirt. Mais bref, je remplirai tout. Je ferai une sorte de pattern d'île géant. Et je trouverai bien un moyen de relier un endroit pour faire un ascenseur qui descende bien sur le côté. Afin qu'on puisse faire une grande descente et donc faire plein de niveaux. Donc je sais pas combien de hauteur faudra les faire. Enfin, à combien de hauteur faudra les faire. À combien d'espace entre chacun, voyez-vous. Pour qu'il y ait quand même de la lumière, mais bon, ça on a le temps d'y réfléchir plus tard. Je pense qu'au prochain épisode, ce qu'on fera, c'est qu'on ira à Nether aussi pour aller chercher peut-être de la Soul Sand et tout. Donc autant vous dire qu'on est plutôt pas mal occupé, donc ça nous laisse des choses à faire, mais c'est cool. Et puis du coup, moi je vous souhaite de bien vous porter les gens, passez une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit, comme je le dis à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque je poste très régulièrement des vidéos, c'est à peu près une vidéo tous les 2 jours environ en moyenne je dirais. Puis je vous invite à mettre un petit j'aime, à partager la vidéo avec vos amis, ça fait toujours super plaisir. Et puis du coup moi comme je vous l'ai déjà dit, je vous souhaite de bien vous porter, c'était Léo, ciao.